Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochetiers, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui je vous fais un petit unboxing de mes derniers achats chez Maison de Serre. Donc j'y ai retourné pour la deuxième fois. J'ai dépassé un petit peu mon budget, j'étais pas supposée d'acheter autant de trucs, j'avais juste 2-3 petits trucs sur ma liste là, et puis je me suis laissée un petit peu aller. Donc, j'ai mon super sac ici à côté. Tadam! Donc, j'ai mon sac. J'ai même la carte de membre du magasin et maintenant, je suis inscrite. Je peux cumuler des points. Et puis, lorsque j'aurai beaucoup de points sur ma carte, je pourrai échanger ça là, contre de la marchandise et tout. Donc, je vais le mettre à côté de moi. Je vais le mettre ici à côté de moi. Puis je vais vous montrer là vraiment là, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc, pour commencer, je crois que je vais le mettre par terre parce que c'est haut. Donc, bien entendu, j'ai racheté de la pâte Fimo. Je ne pouvais pas m'empêcher d'en acheter. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, ma couleur préférée, le mauve. J'en ai acheté deux pareils. C'est vraiment marqué là, en arrière, le prune. Le numéro 63. Il y a même un numéro en arrière. Donc, c'est ça. C'est de la normale, c'est de la soft. C'est la plus standard. Je vais juste approcher là, la lumière pour que vous voyez bien. Bon, on va s'éclairer. J'ai ça dans la face. Je vais peut-être bronzer, qui sait. Donc, la mauve, j'en ai acheté deux là, parce que qu'est-ce que je veux faire? C'est ça. Ça prend quand même un peu de pâte Fimo. Qu'est-ce que je veux tester là, pour mes prochains stylets? Et puis, vous savez, le mauve, c'est ma couleur préférée. Donc, je ne pouvais pas passer à côté d'acheter du mauve. Ensuite, là, je les ai mis sur moi, je les cache. J'ai racheté un petit turquoise comme ça. Super de belles couleurs aussi. Un beau petit bleu brillant, là. Il est vraiment joli. Un beau bleu. Ensuite, un beau turquoise. La couleur qui est marquée à l'arrière, c'est émeraude. C'est le numéro 56. Donc, super beau aussi. Et puis, j'ai celui-là ici, c'est marqué Sarah. Donc, c'est un petit beige. Je me suis dit, là, que ça pourrait bien faire mélanger avec d'autres couleurs. Là, j'ai eu une petite idée quoi faire. Ensuite... Deux autres couleurs que j'ai achetées en double. Donc, un beau doré. C'est vraiment marqué métallique gold. C'est vraiment or. Là. Donc, j'ai hâte aussi de travailler avec ça. C'est vraiment, là, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est brillant. Il est vraiment la couleur or. La pâte Fimo est vraiment remplie de brillant. Donc, c'est de la effect. Et puis, la Effect aussi, j'ai acheté la blanche brillante. Donc, il l'appelle Glitter White. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, je ne sais pas si on peut voir à la caméra, là, le blanc, là, on ne le voit pas bien. C'est vraiment avec l'éclairage, j'essaie de vous le montrer. Mais le blanc est plein de petites paillettes brillantes. Donc, ça va être écœurant sur les stylets. Là. Pas besoin de mettre de brillant côté finition. Là. Il y en a déjà dans le blanc. Donc, c'est pour ça que j'en ai acheté deux aussi là, de blanc. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 10 pâtes Fimo. J'ai pas de stylet encore. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. J'ai une abonnée du Québec, là, Joanne, qui m'a envoyé des stylets par la poste. Donc, merci Joanne. C'est vraiment très, très, très apprécié. Tu me sauves la vie parce que là, je suis bloquée. J'ai plein de pâtes Fimo, j'ai plein de pâtes CRQ. Et puis, j'ai pas de stylet. Donc, un énorme merci à Joanne. Puis là, tant qu'à être dans la pâte Fimo, j'avais commandé quelque chose... Excusez, mes cheveux sont collés, là. Bon, avec la statique. J'avais commandé quelque chose sur Amazon. J'avais commandé de l'argile de polymère. C'est pas de la pâte Fimo. C'est une autre marque. C'était un petit coffret. Ça fait un petit bout de temps de ça que j'avais commandé ça. Je l'ai enfin reçu, donc je vais vous le montrer. Je l'ai ouvert, là, ici, là. Dans le fond, dans le petit coffre, j'avais un petit dépliant. pour de l'argile de polymère, qui me disent un petit peu, là, ça dit qu'est-ce que ça contient dans mon kit, parce que j'ai des petits trucs pour faire des bijoux aussi, si je voudrais, en argile. J'ai des petits instruments comme ça, là, pour venir travailler l'argile, un petit couteau, quelque chose pour faire texturer, donc ça peut toujours servir. Ensuite, là, ils disent les instructions de cuisson. Ils donnent là des. Ils montrent ici qu'est-ce qui se trouve dedans encore. Là, puis ils donnent un exemple, un porte-clés qu'on pourrait faire là, avec qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils montrent qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais, là, vous ne voyez pas super bien. Donc, c'est ça. Ils montrent qu'est-ce qu'on peut faire là, avec les petits articles qu'on trouve à l'intérieur. Ensuite, l'autre page, ils nous montrent comment faire un petit sapin, exemple, qu'on voudrait. Là, c'est ça. Ça donne des petites idées de quoi faire. Même chose, là, ils montrent là, pour des petits bonhommes. Si on voudrait faire là, des petits bonhommes, ça nous donne une petite idée, là, des fois, là, que... Voyons, Colin, ça... je vais tchoumer. Donc, ça donne une petite idée. C'est quand même le fun. Maintenant, mon petit kit. Malheureusement, le couvert est cassé à deux endroits. Moi, je l'avais acheté justement pour avoir le petit coffre de rangement. Vu que j'avais deux clips, j'avais une petite poignée. Je me suis dit, ça va être merveilleux. Et puis, il est cassé là et ici. Donc, mon coffre est cassé. Je trouve ça vraiment dommage. Je vais essayer de trouver une façon de le coller ou quelque chose que ça soit étanche. Parce que je m'étais dit, en plus, que je pourrais laisser dans ce petit coffre-là les argiles que j'aurais ouvertes et tout. Pour pas que ça sèche. Mais bon... Je vais trouver une autre méthode ou je vais trouver un autre coffre tout simplement. Mais ça m'intéressait vraiment avec la petite poignée. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. J'ai un petit sachet tout pêle-mêle. J'ai même une petite bague dedans. Il y a des petites perles, des anneaux pour faire des boucles d'oreilles amplement si on veut. Des trucs pour faire des porte-clés. Donc j'ai vraiment plein de trucs là, dans ça là, pour vraiment m'amuser si on veut. Et puis j'ai toutes ces couleurs-là ici. Donc, je vais faire attention pour pas que ça tombe, à vous le montrer. Donc, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 couleurs. Donc, c'est quand même super bien. C'est pas une quantité énorme, mais c'est pas grave. Vu qu'il y a plein de couleurs, là, moi, je vais vraiment, là, je vais m'amuser avec ça, là, à faire plein de stylets. Ça va être vraiment le fun. Qu'est-ce que je veux faire, là, les motifs que je veux faire qui ont plus de couleurs. Exemple, mes crayons avec des spirales et tout. Je pourrais pas les faire avec ça parce que ça me prend plus d'argile que ça. Mais ceux-là, là, je vais pouvoir faire là, toutes mes nuances et tout. Là, je vais vraiment m'amuser. Donc, petite parenthèse, je voulais vous présenter là, mon petit coffre que j'ai acheté sur Amazon. J'essaierai de ne pas oublier de vous mettre le lien là, dans la description de la vidéo. Hein. Bon, ça irait mieux si je le mettais du bon côté. Ça ne sert pas grand-chose que je le clip, mais quand même. Donc, je remets ça de côté. Fin de la parenthèse, là, je voulais vraiment vous le présenter parce que je m'étais dit faire un unboxing juste pour ça. Je voyais pas vraiment l'utilité. Donc, c'est ça. Je suis vraiment contente. Là, il y a plein de super nuances de couleurs. Donc, je vais vraiment m'amuser avec ça. Ensuite, on revient à nos moutons. Je reviens à ma petite visite chez DeSerres. Après la pâte Fimo. Eh bien, je me cherchais quelque chose. Parce que là, éventuellement, je veux me mettre... Excusez, là, ça me pique. Je vais achoumer. Éventuellement, je veux me mettre à vernir mes DP. Mes DP sont toutes dans une boîte présentement. J'ai rien de vernis. Ils sont tous empilés un par-dessus l'autre. Et puis, c'est ça. Là, lorsque il commence à faire plus beau à l'extérieur et tout, je vais m'installer. Je vais faire des tests. Là, j'ai deux sortes de vernis ici que je veux tester. Je veux voir qu'est-ce que ça va faire. Je vais essayer aussi de vernir avec la colle transparente brillante parce que je vernis mes crayons avec ça. Et puis, ça va numéro 1. Donc, j'imagine que pour les DP, ça va super bien aller. Mais avant de vernir un DP, toujours bien important, hein, de passer le rouleau dessus pour être sûr que tous les diamants sont bien rentrés dans la colle. Et puis, il y a une autre étape aussi qui est importante que j'ai pas pu faire. Toutes les petites saletés ou quelque chose, un petit poil ou quelque chose qui peut être entre les diamants. Je voulais me trouver quelque chose, un petit balai, un pinceau, n'importe quoi que je pourrais balayer comme mon diamond painting pour le nettoyer avant de le vernir. Eh bien, voici ce que je me suis procuré. Un petit pinceau qui va bien s'attraper dans la main. C'est assez large. C'est un pinceau de 4 pouces. Et puis, il est fait en soie de porc blanche. Donc, rigide un peu, mais quand même flexible. Donc, tu sais, je vais pouvoir vraiment là, épousseter mon diamond painting. C'est large, ça va super bien aller. J'aime la façon que la poignée est faite aussi. Là, ça va être vraiment numéro 1. Donc, c'est ça, là, je suis vraiment très contente là, de mon petit pinceau. Là, je cherchais quelque chose dans ce style-là. Et puis, quand j'ai tombé là-dessus, j'ai dit, ah, c'est en plein ce que je veux. Je voulais une bonne largeur. Je voulais quelque chose qui se tenait bien dans la main. Donc, c'est merveilleux pour moi. Ensuite, pour venir travailler mon argile, j'ai un couteau. Ça coupe bien, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, si on veut. Donc, j'ai acheté ça ici, comme un petit couteau de précision. Là, c'est un peu comme un petit scalpel, si on veut. Et puis, j'ai une ou deux petites lames de rechange. Là, je sais plus, je crois que j'ai une lame de rechange. Donc, ils disent vraiment couteau de précision. Et puis, ok, donc ils disent d'utiliser les lames avec soin qui sont très coupantes. C'est ça, je crois que j'en ai une là, de plus. Donc, c'est vraiment de la marque Maison de Serre qui était à 50% de rabais. Donc, j'étais vraiment chanceuse là. Sinon, c'est quand même pas donné ces petits couteaux-là. Et puis, ça va très, très, très bien aller. Ça, j'ai vraiment hâte là, de l'utiliser. Surtout là, pour le bout de mes stylets et tout. Là, je voulais avoir quelque chose là, pour vraiment aller faire la précision. Quelque chose qui irait mieux qu'un couteau. Donc, ça ici, là, ça va être numéro 1. J'ai vraiment très hâte de travailler avec ça. Puis, ça peut me servir pour autre chose aussi. Là, ouais. Pas juste pour ça. Ensuite, je vais aller chercher quelque chose. Vous savez, j'avais acheté il y a quelques temps là, sur Amazon, je vous avais mis le lien, des petits brillants, si on veut, là, des petites paillettes là, pour refaire mes crayons. Puis c'était tout dans des petits sacs comme ça. Mais les petits sacs ne sont pas refermables. Un coup coupé, le petit sac, il est ouvert. Donc, je n'y ai pas encore touché. Je n'ai pas encore fait de finition de stylet avec parce que j'avais pas de contenant. C'est ça, j'avais pas de contenant là, pour les mettre dedans. Donc, chez DeSerres, j'ai passé dans une rangée et puis j'ai vu ça ici. Des petits contenants en plastique vissables, refermables et puis empilables. Il y a une petite coche là, sur le couvercle ici qui fait qu'ils tiennent tous debout un par-dessus l'autre. J'en ai seulement 6. Bon, j'ai combien de couleurs là-dessus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, j'ai 14 couleurs. Mais c'est sûr que je ne les rouvrirai pas toutes au début. Donc, pas toutes tout de suite. C'est pour ça que je me suis dit, je vais commencer avec 6. Lorsque j'y retournerai ou quelque chose comme ça, là, je verrai, j'en achèterai peut-être d'autres. Je vais regarder aussi sur Amazon pour en trouver. J'en ai vu des lots de petits pots que ça coûte 15$, je crois, pour 50 pots, là. Ça vaudrait vraiment la peine, sauf que je ne sais pas s'ils sont empilables. C'est style des petits pots à maquillage. C'est vraiment pas pareil. Moi, ce que j'aime de ça, c'est qu'ils sont empilables. Tu les mets un par-dessus l'autre, puis tu sais, OK, là, ils sont emballés. Il y a un petit plastique dessus qui fait qu'ils tiennent. Mais dans mon armoire, je veux dire, si je bouge ou si je marche à côté, que ça fait une résonance, quelque chose, ils ne tomberont pas parce qu'il y a vraiment une petite coche. Ils vont vraiment rester pilés un par-dessus l'autre. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant. Donc, ça sera là, de voir là, les 6 premières couleurs que je vais utiliser. Je vais pouvoir les mettre dans ça ici. Là. Donc, c'était vraiment pour ça que j'avais acheté ça chez DeSerres. Ensuite, vous savez, je vous ai parlé de mon support à crayon, là, que ça m'a pris 2 minutes à faire, à top chrono, là. Ma planche de bois, là, vous pouvez la voir en arrière de moi en plus, là. Ma planche de bois qui tient mes crayons. Mais là, elle est couleur bois, puis ça m'énerve, je trouve ça laid. Donc, je me suis acheté de la peinture en cacane rose fluo de chez DeSerres encore, là, la marque Maison, parce que c'était ce qui revenait le moins cher. Donc, j'ai très, très hâte aussi là, de... OK, bon, je regardais, il disait de tourner la canette à l'envers après l'utilisation pour la nettoyer. En tout cas, c'est ça, peinture aérosol à base d'eau de couleur fluorescente, donc ça va être rose fluo. Donc, je vais attendre, là, parce que là, il annonce un peu de pluie et tout. Mais lorsqu'il va faire beau, une journée qui va faire soleil, qui va vanter un petit peu, je vais m'installer dehors, là, et puis je vais pouvoir peinturer là, mon support à crayon, là, donc je suis super contente. J'en avais regardé lorsque j'avais été magasinée pour mon toit, puis il n'y avait pas de couleur flash, ou il y avait du rose, mais c'était du rose comme plus pâle, plus standard. Moi, je voulais avoir vraiment quelque chose qui punch, donc ça va être vraiment la couleur néon, ça va être vraiment fluo, ça va être malade. Donc j'ai très hâte là, de le peinturer. Ensuite, Pour faire la finition de mes stylets, eh bien, je me suis dit que je pourrais ajouter une petite touche. Je mets de la colle brillante, je m'amuse, je colle des petits brillants un à un. Je me suis dit, pourquoi pas des fois mettre une petite touche de peinture? Ça pourrait être quelque chose de pas pire. Donc, je me suis procuré de la peinture. Naturellement, j'avais deux couleurs que je voulais en partant, qui étaient du argent et du or, parce que je me dis des fois, juste aller faire une petite touche au travers des brillants ou quelque chose. Donc, j'ai acheté vraiment là, les deux couleurs, argent et or. Et puis, j'ai craqué dans la même rangée, trois couleurs plus loin. Se retrouvait du mauve métallique. Je pouvais pas l'acheter. C'est mauve, c'est métallique, c'était beau. J'étais là, oh, ça va être tellement beau sur mes crayons. Donc, je vais m'amuser avec mes trois super couleurs métalliques, là, juste pour dire que je fais une petite touche sur les crayons, là. Je ne les peinturerai pas l'argile, mais des fois, dans les dégradés ou quelque chose, je vais m'amuser. J'ai des petits pinceaux en plus super fins là, pour faire la finition, donc ça va super bien aller, là. Ah, mon mauve métallique, j'ai vraiment hâte, là. Il est écœurant. Et puis aussi, un autre petit craquage qui n'était pas supposé, parce que sur ma liste, j'avais bien écrit de la peinture or et de la peinture argent. Je n'avais pas écrit la mauve. Puis, j'avais pas non plus écrit celle qui allume dans le noir. Et oui, je suis gaga comme ça. J'ai acheté de la peinture qui allume dans le noir. Donc, je vais pouvoir en mettre sur les stylets ou écrire quelque chose. Peu importe. Et puis, ça va être une surprise. Il va falloir que vous le mettiez à la lumière et ensuite à la noirceur pour savoir qu'est-ce qui est écrit. Donc, je trouvais ça cute. Je suis là, oh, de la peinture fluorescente. Ça va être le fun. Donc, ces deux-là n'étaient pas supposés. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'ai dépassé un petit peu mon budget. Même chose, la pâte Fimo, j'avais écrit que j'en achetais 6 maximum. J'en ai acheté 10. Maintenant, c'est bien beau avoir de la peinture, avoir les pinceaux, mais ça me prend quelque chose pour mettre ma peinture. Donc, je me suis acheté une petite palette. C'est vraiment, là, j'ai pas payé ça cher. C'est vraiment très cheap, très basique. Mais c'est juste que je vais pouvoir là, la réutiliser, la laver et tout. Donc, ça va être super pratique, là, justement, pour ma peinture. J'aurais pas besoin tout le temps de prendre un récipient ou de me trouver un petit plat ou quelque chose. J'ai vraiment quelque chose d'adapté. J'ai mes petits pinceaux. Donc là, je suis en business pour faire de la super finition sur mes crayons. Donc, j'ai très, très hâte. Ensuite, la dernière chose et non la moindre. Je vous ai gardé, là... à mon goût, à moi, là, la plus belle chose pour la fin. Donc, aussi pour faire de la finition sur mes stylets. Parce que, bon, je pose des diamants, je pose des paillettes, je pose plein de trucs. Mais il faut toujours que je mette une couche ou quelque chose de colle, ou de colle brillante, ou quelque chose dans le fond. Et puis, je prends ma paillette ou mon diamant, vous m'avez déjà vu faire, puis je vais la poser dessus, je laisse sécher. Et puis ensuite, il faut quand même que je remette une couche de vernis pour être sûr que le diamant tient bien ou que la paillette tient bien, que si on l'accroche, elle ne décollera pas. Donc là, j'ai passé dans une rangée. J'ai fait le tour du magasin. J'ai vraiment exploré. Et puis, j'ai figé en avant d'en aller. Puis là, je me suis dit, oh my God, que c'est beau. Il y avait tellement de choix, tellement de trucs, plein de grosseurs. J'ai craqué encore une fois. Pour des petits diamants qui se collent, sont vraiment collants. Donc, je vous les montre, là. Il y a plein, plein, plein de couleurs, là. C'est vraiment des petits diamants, là, autocollants. Donc, ça va super bien aller. Je vais pouvoir en coller sur mes stylets, en prendre avec mes pinces. Et puis, quand même, rajouter une couche de vernis par-dessus. Mais à la base, c'est collant en dessous. Donc, ça va vraiment tenir. Donc, je trouvais ça super beau parce qu'il y avait vraiment toutes les couleurs. Tu sais, c'est pas des couleurs de diamond painting, là. C'est vraiment des cristaux, là. Donc, je peux vous dire que j'en ai quand même beaucoup sur ma feuille. Je vais pouvoir faire beaucoup de finitions. Il y en avait des plus gros. Il y en avait couleur perle. Il y en avait des couleurs argent. Il y en avait plein de couleurs. Il y en avait là, que c'était toutes des teintes de bleu, des teintes de... mais mettons, moi, je voulais du rose puis je voulais du mauve. J'avais pas le choix de prendre la feuille multicolore. J'avais pas le choix de prendre celle-là. Dans celui-là, se retrouvait du rose et du mauve. Sinon, les autres, c'était des teintes de vert, des teintes de bleu. Plus couleur argent, argent et noir, exemple. C'est sûr, c'était vraiment, là, mais il y avait comme plein de sortes et tout. Puis là, j'étais là, oh, wow! Hey, là, j'en aurais acheté plusieurs, mais je me suis dit, bon, là, prochaine fois, là, parce que ça, c'était pas supposé. C'est vraiment un autre craquage que j'ai eu en magasin que je me suis dit comme, oh mon Dieu, je les veux, c'est trop cute! Donc, voici tous mes achats de chez Madame de Serre. Je vais descendre la caméra pour que vous voyez mieux. Je vais être sûre que vous voyez bien. Donc, on a ma pâte Fimo, mes petites peintures, je sais pas comment on appelle ça, là, ma petite palette à peinture, mes diamants, mon pinceau, mon petit couteau de précision, ma peinture en aérosol, et puis mes petits pots de rangement. Donc, ça paraît pas, là, mais ça monte quand même vite. Écoutez, c'est ça. J'ai dépensé encore une fois quand même pas pire. Donc, pour ça, eh bien, je suis désolée, j'ai pas de site internet à vous donner nécessairement. J'ai vraiment acheté mes trucs chez Madame de Serre. Donc, c'est ça, là, d'habitude, je vous donne les liens pour que vous puissiez vous procurer les trucs. À part mon petit kit ici d'argile de Amazon, là, j'ai pas vraiment de lien à vous donner parce que, bon, vous voyez, ici, c'est la marque de Serre Maison. Même chose, ici, c'est la marque de Serre. Ça, c'est des choses qui se trouvent facilement. Là, c'est vraiment le petit plastique. C'est vraiment là, très, très, très de base. Mais pour moi, pour l'instant, ça va être merveilleux. Donc, j'ai très, très, très hâte de mettre une petite touche finale sur certains crayons avec mes petites peintures. C'est sûr, lorsque je vais recevoir d'autres crayons. J'ai très hâte aussi de tester la pâte Fimo. Mais je ne vous cacherai pas là, que première batch que je vais refaire là, de crayons, je vais essayer de passer ma CRQ, de finir les couleurs là, de la première boîte parce qu'elle est déjà ouverte. Fait qu'à un moment donné aussi, si ça sèche, je ne voudrais pas qu'elle devienne dure. Donc, je vais essayer vraiment là, de passer celle-là avant. Mais j'ai vraiment hâte de tester la Fimo. Pour vrai, là, j'ai 2-3 idées en tête à faire avec ma Fimo. Là. Ça va être quelque chose de pas pire. Là, ça mûrit les idées par rapport au stylet. Au début, j'étais pas trop habile, excusez. Je savais pas trop où m'enligner et tout. Mais là, j'ai de la suite des idées. J'ai plein d'idées pour les finitions et tout. Là, ça se bouscule dans ma tête. Là. Écoutez, mon Facebook, ma page Facebook va déborder de stylet tantôt. C'est sûr, j'adore faire ça. Donc, puis là, en plus, on a une semaine qui annonce un peu plus frais. Donc, je me croise les doigts. Là, je vais recevoir les stylets de Joanne d'une journée à l'autre. Et puis, merci encore une fois, Joanne. Merci, 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 merci. Donc, je vais pouvoir faire des beaux crayons. Et puis, là, ça va être parfait, justement, vu qu'il annonce un petit peu frais. Vu que je vais faire marcher le four, c'est sûr et certain qu'une après-midi au complet, là, je la consacre à mes stylets. Je vais vous faire 1 ou 2 vidéos dans cet après-midi-là. Je vais vous montrer la technique, là, comment faire là, les spirales, les stylets avec les spirales. Je veux vraiment en faire avec vous. Et puis, je vais vous montrer aussi là, une technique, comment faire des bonhommes sourires. Donc, à suivre. Ça aussi, j'ai très hâte de vous montrer ça. Et puis, je vais tester mes nouveaux outils, ça c'est sûr et certain. Lorsque ma planche sera peinturée, je vais vous montrer ça aussi. Là. Ça, je vais aller m'installer dans le gazon, mais je vais me mettre une planche en dessous parce que c'est ça, sinon ma pelouse va rester rose. Là, puis, il y en a qui vont me demander « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as peinturé? Là? Quelle gaffe que tu as faite encore? J'ai rien fait! » Donc, je vais vous dire encore une fois un gros merci d'écouter mes vidéos. Merci de me laisser plein de commentaires. Je suis super contente de tous mes achats chez DeSerres, donc des super de belles vidéos qui s'en viennent aussi sur la chaîne. J'ai plein d'idées pour les stylets, là, donc Madame la bricoleuse, comme je me suis fait appeler, Estelle qui m'a appelée comme ça, donc Madame la bricoleuse, elle va faire plein de stylets, là. Je vous dis, ça se bouscule dans ma tête, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'affaires que je me suis dit, ah, je pourrais essayer ça, ça, ça. Vous allez en voir de toutes les couleurs. C'est sûr que vous allez en voir de toutes les couleurs parce que j'ai toutes les couleurs. Donc, sur ce, écoutez, je vous laisse vaquer à vos occupations et puis moi, je m'en vais aller avancer une petite toile de diamond painting. J'ai le goût de faire un petit peu de diamond painting. C'est ça, je suis tranquille, j'ai pas grand chose à faire. Mon copain n'est pas là, je suis toute seule, donc pourquoi pas? Je vais avancer un petit peu ma toile, comme ça, ça va vous faire une surprise. Ensuite, je vais pouvoir vous la montrer. Regardez où est-ce que je suis rendue. Donc, j'ai encore 1 heure ou 2 à tuer là, de lousse à la maison. Donc, pourquoi pas? Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépendamment à l'heure que vous regardez ma vidéo. Et puis, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Et puis, surveillez ça sur la chaîne prochainement aussi. Vous allez avoir beaucoup de unboxing parce que j'attends beaucoup de colis sur AliExpress, j'attends beaucoup de toiles. Puis là, je suis mes numéros de tracking, j'ai une application, l'application Shop. Je peux voir où sont, je rentre mes numéros de tracking, je peux voir à peu près où sont mes trucs. Puis là, comme c'est là, j'ai 4 colis qui sont arrivés au Canada, sont en Ontario ou sont au Québec, là. Donc cette semaine, c'est sûr que je reçois des trucs. Donc au courant des prochaines semaines, ça devrait débloquer. J'ai plein de commandes de nouveaux trucs aussi, donc des unboxings de n'importe quoi, là, de trucs en rapport au diamond painting et d'autres trucs. Je ne veux pas vous dire c'est quoi. Donc, des unboxings là, pour des petits colis sur AliExpress. Et puis, unboxing aussi des toiles, des persos de certains vendeurs. J'ai très hâte de vous montrer ça, de vous faire les unboxings. Donc, c'est ça. Surveillez ça sur la chaîne. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous. Vous avez le lien dans le bas de la vidéo. Sur ce, eh bien, salut tout le monde. On se dit à demain. Bye bye!